Masechet Yevamot, daf Mem Zayin, on va commencer par Mem Vav Amud Bet, les 10 dernières lignes. Amar Abba, Ouvda Hava, Berabi Chia Berebi, Verab Yosef Matne, Rabbi Oshaya Berebi, Verab Safra Matne, Rabbi Oshaya Barabi Chia. De Ata le Kameh, Ger Shemal Velotaval, Amar le Shahekan, Ad le Mahar, Venit Belinach. On est toujours dans le sujet de la conversion au judaïsme. Lorsqu'un goy veut devenir juif, il faut procéder à trois choses. Premièrement, Kabbalat ol mitzvot, un engagement sincère pour l'accomplissement des mitzvot. Deuxièmement, c'est la procédure pour les hommes, c'est Mila et Tevila. Pour les femmes, c'est juste Tevila, le trempage au mikvé. Mais pour les hommes, il faut d'abord la circoncision et ensuite l'immersion dans le mikvé. Ça doit se faire généralement devant trois dayanim. Un beddin, parce qu'il est écrit le terme mishpat à propos de la conversion. Puisque la Torah a qualifié de mishpat la procédure de conversion, comme pour un mishpat, un beddin, un jugement, ça doit se faire au sein d'un beddin de trois dayanim au minimum, ainsi la conversion au judaïsme doit avoir lieu devant le beddin, donc trois dayanim. La Gemara raconte à ce propos l'histoire suivante. Amar Abba, Ouvda Hava, il était une fois, Berabi Chia Berebi, dans le Beit HaMidrash de Rabbi Chia Berebi. Berebi, on a déjà vu plusieurs fois que Rashi traduit par Gdolador, ça veut dire un grand maître de la Torah. Rabbi Chia, qui était l'élève de Rabbeinu à Kadosh, c'était le grand parmi les grands dans sa génération. Rabbi Yosef Matne, Rabbi Oshaya. Et Rabbi Yosef nous enseigne qu'il y avait également un deuxième Dayan, c'était Rabbi Oshaya Berebi, un deuxième Gadolador, Rabbi Oshaya, l'ami de Rabbi Chia. Rabbi Safra Matne, Rabbi Oshaya Berabi Chia. Et Rabbi Safra nous dit qu'il y avait un troisième Dayan avec eux, c'était Rabbi Oshaya, fils de Rabbi Chia. C'est pas mal ça. On a Rabbi Chia, Rabbi Oshaya, et Rabbi Oshaya, fils de Rabbi Chia, qui était un troisième Dayan. Atal et Kame Ger Shemal Velotaval, qui est venu devant eux, un ger, c'est-à-dire quelqu'un qui était goy et qui a déjà fait la circoncision, la brit mila, mal, Velotaval, mais il ne s'est pas trempé au mikvé. Quand il est venu pour le trempage, puisqu'on sait que après la circoncision, on attend que ça guérisse, que ça cicatrise, et ensuite on le fait passer au mikvé. Quand il est venu pour passer au mikvé, Amarle, Shahe Kan Ademaha Venit Belinar. Rabbi Chia lui a dit, attends jusqu'à demain, parce qu'il est venu pendant la nuit. Or la nuit, on ne peut pas convertir au judaïsme, puisque la conversion est comparée à un jugement. Or le jugement ne peut pas avoir lieu la nuit, c'est uniquement en journée. Et de ce fait, la conversion également. C'est pour ça qu'il lui a dit, maintenant c'est la nuit, attends demain matin et on te trempera au mikvé. De cette histoire, la Gemara va déduire trois halakhot. Shma mina tlat. Shma mina ger tzarich shelosha. Première halakha que l'on déduit, c'est que la gerout, pour pouvoir convertir un goy, il faut la présence de trois dayanim. Shma mina eno ger ad sheyamul veitvol. On déduit de là également que la gerout n'est pas terminée jusqu'à la fin des deux opérations. Ça ne suffit pas la Mila, il faut aussi la Tevila. Shma mina en matbilin ger balayla. Et l'on déduit également qu'on ne peut pas faire la Tevila, l'immersion du ger, pour se convertir pendant la nuit. La Gemara pose la question, elle dit Venima shma mina ba'inan mumhin. Pourquoi ne dirais-tu pas qu'on pourrait déduire de là une quatrième halakha, à savoir que ce beddin doit être constitué de dayanim mumhim. Il existe deux sortes de dayanim. Un dayan classique, qu'on appelle hediot, et un dayan mumhé. Mumhé, ça veut dire qu'il a reçu un diplôme,
une smicha de son maître, qu'il a reçue de son maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu. En effet, les Dayanim d'Eretz Israël étaient considérés mumhim. Ceux de Chutz La'aretz, Shlichotayhu Ka'avdinan. Puisqu'il n'y avait pas, il n'y a pas la smicha Chutz La'aretz, ils étaient que considérés comme délégués, Shluchim, des Dayanim d'Eretz Israël. Ces trois Gedolei Hador, Rabbi Hiya, Rabbi Hoshaya et Rabbi Hoshaya ben Rabbi Hiya, ces trois Dayanim étaient mumhim. Pourquoi ne dirait-on pas qu'il faille exiger également ce critère? Réponse, Dilma de Ikleru. Peut-être que c'était juste un concours de circonstances qu'on s'est retrouvé avec des hommes de cette envergure, des Gdolei Hador, mais on n'exige pas cela à titre halachique. Même des Dayanim qui ne sont pas mumhim, ce qu'on appelle Dayanim Hedyotot, ça suffit pour constituer un Beddin pour la Gerout. Amar Rabbi Hiya bar Abba, Amar Rabbi Yohanan, Ger Tzarich Shelosha, Mishpat Ktiv Beh. Donc voici la référence. D'où apprend-on cette exigence, à savoir que la Gerout se déroule au sein d'un tribunal qui est composé de trois Dayanim, parce que la Torah a employé le terme Mishpat à propos de la Gerout. Où est-ce qu'on retrouve cela? Rashi cite le verset suivant. Mishpat Ehad Ihye Lachem Velager. Donc tu vois que pour le guerre, pour la Gerout, il faut Mishpat, c'est-à-dire un tribunal qui est apte à réaliser un Mishpat, c'est le tribunal qui est nécessaire et requis pour la conversion au judaïsme. Tanu Rabbanan, nouvelle Baraita. Misheba Ve'amar Ger Ani. Yachol Nekabelenu Talmud Lomar Itecha. Bamuhzak Lecha. Quel est le din s'il y a quelqu'un qui vient et qui prétend qu'il est guerre? Tosfot disent qu'il était connu comme Goy auparavant. Et maintenant, il vient devant nous, il nous dit, je suis guerre, la preuve, je suis circoncis. Donc on voit qu'il est circoncis. Quel est le problème? Quelle est la question? C'est de savoir, est-ce qu'il a fait les choses dans les règles de l'art, en bonne et due forme, à savoir une circoncision et une immersion dans le mikvé devant un beddin, convenablement, parce que la circoncision n'est pas une preuve. Même les Arabes font la circoncision. Arabi Mahoul, Givroni Mahoul, mais ce n'était pas une Mila Leshem, Berit Leshem Gerout. Peut-être que c'était une Mila de Goyim et pas à titre de conversion. Alors est-ce qu'on peut accepter cette déclaration d'un homme qui vient, qui nous dit « Certes, j'étais Goy auparavant, mais maintenant je suis juif, voilà la preuve, je suis circoncis. » Alors la Braïta nous dit « Misheba ve'ama, ger ani » Yachol nekabelenu, est-ce qu'il faut le croire sur parole? Talmud lomar itecha. Dans le pasouk, il est écrit comme ça. Vechi yagur itecha ger be'artsechem. Si un ger habite avec vous dans votre pays, pourquoi c'est écrit yagur itecha? S'il habite avec toi, on aurait pu dire vechi yagur ger be'artsechem. Un ger qui habite dans votre pays. Pourquoi c'est écrit itecha avec toi? Eh bien ici, « itera », ce n'est pas dans le sens de « avec toi », mais plutôt dans le sens que toi, tu es au courant. Dans le sens où « mohzak lera », tu le sais avec certitude que cette Gerout a été faite au sein d'un Beddin et les Shem Gerout, il a fait la Mila, la Tevila, et pas juste une circoncision de Arabi. Si maintenant, celui qui était autrefois Goy, il vient maintenant avec des Edim qui témoignent qu'il a fait les choses en bonne et due forme. La Mila et la Tvila convenablement. Est-ce qu'on peut y croire? Talmud Lomar, Vechi Yagur Itecha Ger. C'est-à-dire qu'en effet, il est tout à fait crédible et on peut compter sur sa déclaration et sur le témoignage des deux Edim pour le considérer comme juif à part entière.
Chiagur itecha. Ça veut dire que lui-même, il apporte avec lui les témoins pour appuyer ses paroles et sa déclaration. La Braïta continue de développer et de commenter ce pasouk. Be'artzechem, en li'ela ba'aretz, be'chutza la'aretz minnaïn, Talmud lomar itecha, be'chol makom she'itecha. Imken ma Talmud lomar ba'aretz, ba'aretz tzarich le'avir e'aya, be'chutza la'aretz, eno tzarich le'avir e'aya. Divrei Rabbi Yehuda. Alors, premièrement, c'est que du fait que la Torah est précisée Be'artzechem dans votre pays, Eretz Israël, nous aurions pu croire que la Gerout, elle n'est possible qu'en Eretz Israël. Be'chutzala Aretz Minayin, d'où sait-on que même en diaspora, on est habilité à convertir des goyim au judaïsme lorsqu'ils veulent se convertir. Talmud Lomar Itecha, comme il est écrit, Vechiagur Itecha, Vechol Makom Sheitecha. Partout où le goy se trouve avec toi, tu peux le convertir au judaïsme, pas seulement en Eretz Israël. Alors, Talmud Lomar Ba'aretz, alors pourquoi la Torah l'écrit Ve'artzechem? Réponse, Ba'aretz, Tzarich Le'avire Aya, Vechutzala Aretz, Eno Tzarich Le'avire Aya. C'est par rapport à l'histoire de quelqu'un qui nous raconte qu'il est devenu guerre. Si on est en Eretz Israël, celui qui était connu comme Goy, et maintenant il nous raconte qu'il est devenu juif parce qu'il a respecté la procédure. Il s'est inscrit dans une démarche de conversion en bonne et due forme. Est-ce qu'il a besoin de démontrer, est-ce qu'il a besoin d'apporter une preuve? Ou bien est-ce qu'on peut le croire sur parole? Ça dépend. Si c'est en Hutzla Aretz, en dehors d'Eretz Israël, oui, on peut le croire sur parole. Pourquoi? Parce que les Juifs en diaspora souffrent de l'antisémitisme. Et de ce fait, vouloir être juif, c'est quelque chose de méritoire. Personne, aucun goy n'a intérêt à devenir juif quand on est en diaspora. Il ne va que souffrir. Si malgré tout il dit, voilà, je suis circoncis, mais cette circoncision, je l'ai fait dans le cadre d'une conversion, dans les règles de l'art, j'étais au mikvé et devant un beddin, eh bien il n'a pas besoin de le prouver. On le croit sur parole. Tandis qu'en Eretz Israël, celui qui était connu comme goy et aujourd'hui se présente comme juif en prétendant qu'il a fait la conversion convenablement, on a besoin de preuves. Il nous faut un certificat du beddin qu'il a converti ou des témoins. Pourquoi? Parce que c'est trop facile en Israël de dire je suis juif. Parce qu'on a tout intérêt. Si on est goy et qu'on vient en Israël et qu'on a tous les avantages de cette aliyah, comme on appelle aujourd'hui le sal klita, eh bien, quels sont les avantages en Eretz Israël? C'est leket shirha pea, maaser ani. On verra tout cela plus en détail tout à l'heure. En tout cas, ce sont les dons aux pauvres. La Torah nous ordonne de penser aux plus démunis. Lorsqu'on va moissonner notre champ, il y a des obligations de céder aux pauvres toutes sortes de dons. Leket shirha pea, maaser ani. Alors c'est tout à fait normal que les personnes qui vivent dans la galère, dans la misère, viennent se convertir pour bénéficier de ces avantages. Donc tu ne peux pas le croire sur parole. Il faut une preuve. Tzarich l'avireya. C'est ce que pense Rabbi Yehuda. Vahachamim omrim ben ba'aretz, ben bechutzala aretz, tzarich l'avireya. Mais Hachamim prétend qu'il n'y a pas de distinction. Aucun distinguo à établir entre Eretz Israël ou la diaspora. Même en chutzla aretz, un goy qui vient te dire « je me suis converti », il faut qu'il apporte la preuve, le témoignage, l'attestation du beddin qu'il aurait fait ou des témoins qui l'ont vu. Maintenant, la Gemara va analyser cette baraïta. « Bahu ve'edav imo, kra la mali. » Tu m'as dit que s'il avait des témoins comme quoi il s'est converti en bonne et due forme, alors on peut l'admettre au sein du judaïsme, du peuple juif. Question, mais c'est évident, car on le sait que la Torah, elle compte sur les deux témoins. Elle a accordé crédibilité à deux edim, al pi shenaim edim yakum davar.
Alors, quel est le chidouche? Amar Rav Sheshet, de Amre, Shamanu shenitgayer bebedin shel peloni, salka data ramina, lo lehimninu, kamashmalan. La réponse est que nous accordons crédibilité à deux témoins, pas uniquement lorsqu'ils étaient témoins visuels, même lorsqu'ils n'étaient que témoins auditifs. C'est-à-dire, s'ils étaient présents dans le Beit Din, au moment où le Beit Din a opéré, a réalisé cette conversion, c'est évident qu'ils sont crédibles. La Torah elle-même a dit « Al-Pishnaim edim yakum davar ». Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Là, on parle du cas où les témoins disent « on n'a rien vu ». Mais on a entendu, de bouche à oreille, tout le monde a parlé de cette conversion. Alors, puisque c'est quelque chose qui peut être vérifié, avéré, donc on peut compter sur ces rumeurs qui nous ont été rapportées par les Edim. C'est ce qu'on appelle « Giloui Milta » Béralma. On n'a pas besoin d'une vraie Edoute, on a besoin juste de « Giloui Milta ». C'est-à-dire que c'est attesté par... l'environnement, par l'entourage, tout le monde en a parlé, et ces témoins ont entendu ces échos. Donc, on peut s'appuyer là-dessus. Car si c'était des vrais Edim qui ont vu Mamash, il n'y a aucun Hidouche. Et maintenant, la Gemara va analyser la suite de la Braïta. On a dit dans la Braïta, « Ba aretz, en li ela ba aretz, bechutz al aretz minahin, talmud lomar itecha, bechol makom sheitecha. » On avait cru que la possibilité de conversion au judaïsme n'est possible qu'en Eretz Israël, puisque c'est écrit Be'artzechem. Mais du fait qu'il est écrit dans la Torah Itecha, Mashma Bechol Makom Sheitecha, là où le goy se trouve avec toi, même en Chutzala Aretz. Donc on peut convertir des goyim même en Chutzala Aretz. Question, mais comment tu peux déduire du mot Itecha Bechol Makom Sheitecha Veha Apikte? Ça veut dire, le mot Itecha, on l'a déjà exploité pour une première dracha. Qu'est-ce qu'on avait appris du mot Itecha? On avait dit Bamurzak Lecha. Quand est-ce que tu peux considérer que le goy est converti? Que si tu en as la certitude, tu en as la preuve que sa circoncision, c'est pas une circoncision comme des Arabim. Des Arabes, c'était une circoncision de conversion au judaïsme avec un Beit Din et tout et tout. Donc on a appris ça du mot Itecha. Comment tu peux maintenant déduire encore une autre halakha du mot itecha? C'est quoi itecha? Bechol makom she itecha. Pas seulement ba'aretz, mais même behutzla aretz. Veha apikte. Tu l'as déjà utilisé le mot itecha pour un autre enseignement. Tu ne peux pas en déduire un deuxième enseignement. On ne peut pas faire deux drachot du même mot. Quand c'est le pshat, alors on peut comprendre toutes les connotations du mot. Mais si ce n'est pas le pshat, ce sont des drachot, eh bien, on ne peut pas faire deux drachotes du même mot. Alors, la Gemara répond, en effet, on a deux mots différents. Hada meitera. En effet, ce qu'on avait dit que tu dois être convaincu, tu dois en avoir la certitude qu'il a fait une conversion en bonne et due forme, c'est du mot itera qu'on l'a déduit. Mais hada meimar. Et ce qu'on avait dit que la conversion peut se faire même en chutzla aretz, ce n'est pas du mot itera, mais du mot « imach ». Il est écrit dans un autre pasouk, « Ger vetoshav vahay imach ». Donc, « Ger imach », là où tu te trouves, « vahay imach », là où tu te trouves, même en chutz la aretz, le « ger » peut devenir « ger ». C'est-à-dire, le goy peut se convertir au judaïsme. On a appris encore dans la Braïta, donc la Gemara analyse la Braïta. Chachamim omrim ben ba'aretz ben mechutz la'aretz. Tzarich le'avi re'aya. Chachamim disent que ce soit en Eretz Israël ou en chutz la'aretz, le goy qui vient nous dire je me suis converti au judaïsme, voilà je suis circoncis, il faut qu'il apporte une preuve. Et la Gemara pose la question, elle dit ve'ela ha'ktiv ba'aretz. Comment Chachamim peuvent s'opposer à Rabbi Yehuda? Mais Rabbi Yehuda il a amené une preuve du mot ba'aretz, be'artzechem. C'est pas pour rien que la Torah écrit be'artzechem. Haoum ibaël et d'afilou ba'aretz mekabelim gerim. De sal kadata ramina mishum tivuta d'eretz israel kamegaire. Ve'ach taname delikativuta ikaleket shil haupea. Ouma serani kamash malan. En fait, le mot ba'aretz
selon Chachamim, c'est pas pour nous dire que c'est seulement Ba'aretz qu'il faut apporter une preuve qu'on est converti. Mais en Chutz La'aretz, inutile, comme a dit Rabbi Yehuda. Car selon Chachamim, partout, même en Chutz La'aretz, il faut apporter une preuve. Seulement, nous aurions pu croire que la conversion au judaïsme n'est possible qu'en Chutz La'aretz, mais pas en Eretz Israël. Pourquoi ? Car en Eretz Israël, il y a des avantages. Étant donné qu'en Eretz Israël, il y a des avantages parce que c'est Eretz Zavat Halav Udvash, c'est la terre où coule le lait et le miel. Donc il y a un intérêt à venir en Israël et de se convertir au judaïsme. Et même après la destruction du temple, où malheureusement on a perdu cette bracha de la terre où coule le lait et le miel, on n'a plus cette bracha, cette abondance. Mais il y a tout de même des avantages pour les guérim, les convertis. Quel est leur avantage? Eh bien, c'est qu'ils vont bénéficier de l'Eket, Shirha, Pea et Maaserani, puisque les pauvres sont favorisés. La Torah dit qu'il faut, au moment de l'agriculture, quand on moissonne et qu'il y a des gerbes qui tombent, l'une ou deux, il faut laisser aux pauvres. Ça s'appelle l'Eket. Shirha, lorsqu'on a formé des bottes de blé pour les ramener à la grange, si on a oublié une ou deux, il faut les laisser aux pauvres. PA, quand on moissonne, il faut laisser un 60e aux pauvres. Maaser Ani, il y a certaines années, pendant les 6 années agricoles, la 3e et la 6e année, on prélève le Maaser Ani à la place du Maaser Sheni. C'est la dîme que l'on doit aux pauvres. Tout cela, ce sont des avantages intéressants. C'est ce qu'on appelle ici en Israël le Sal Klita, le panier d'intégration pour les nouveaux Olim. Donc ça peut être un pôle d'attraction, et donc on aurait pu dire qu'il ne faut pas être mécabel des guérim, parce que certainement ils viennent ici pour les avantages. C'est pour cela que la Torah écrit que Ba'aretz, même en Eretz Israël, Be'artzechem, vous pouvez accepter les guérim, et il ne faut pas les soupçonner de ne chercher que leurs intérêts. Oui, il est fort possible qu'un guer soit sincère. Amar Rabbi Chiya bar Abba, Amar Rabbi Yohanan, halakha ben ba'aretz ben bechutz la'aretz tzarich le'avi ra'aya. À propos de la machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim qu'on avait vu dans la Braïta, à savoir, un goy qui vient se convertir, un goy qui vient et il te dit, je me suis converti au judaïsme. Voilà la preuve, je suis circoncis. Est-ce qu'on le croit sur parole, oui ou non? Rabbi Yehuda distinguait entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. Il disait, en Chutz La'aretz, oui, tu peux le croire sur parole, mais pas en Eretz Israël. Car en Eretz Israël, il est susceptible de vouloir mentir juste pour obtenir des intérêts. Tandis que, en Chutz La'aretz, et pas besoin. Là-bas, les Juifs souffrent, donc il n'a pas d'intérêt. Mais en fait, ce n'est pas vraiment cela. C'est que le Rabbi Yehuda déduit du Passouk. C'est écrit Ba'aretz. Vechi Yagur Geritera Be'artzechem. Alors, tout simplement, la Torah a dit, Be'artzechem, tu ne le crois pas, il faut qu'il apporte une preuve, en Chutz La'aretz, quand ce n'est pas Be'artzechem, tu peux le croire sur parole. Be'chutz La'aretz, eno tzarich le'avi ra'aya, ba'aretz tzarich le'avi ra'aya. C'était Rabbi Yehuda. Mais Hachamim disent qu'il n'y a pas de différence. Ben ba'aretz, ben be'chutz La'aretz, tzarich le'avi ra'aya. À ce propos, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yohanan? Halacha comme Hachamim. Alors la question, elle est, pshita, yahid verabim, alacha ke rabim, mais c'est évident que dans cette marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, l'alacha, elle est forcément comme Chachamim, car Chachamim sont majoritaires et Rabbi Yehuda est minoritaire. Maoud et tema mistaberta ma de Rabbi Yehuda, de kamesayel et kae, kamashmalan. Eh bien là, il fallait le dire, bien qu'en général, c'est évident que l'alacha, elle est comme le rabim, comme Chachamim. Mais là, on aurait pu croire que, exceptionnellement, la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda, bien qu'il soit minoritaire, car les psukim qu'il a interprétés laissent penser et tendent vers l'opinion de Rabbi Yehuda. C'est pour cela que on aurait pu se tromper cette fois-ci, dire que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. C'est pour cela qu'il a fallu que Rabbi Yohanan tranche et qu'il dise que non, même cette fois-ci, la halakha, elle est comme Chachamim. Tanu Rabbanan, nouvelle Baraita. Ushvatem tzedek ben ish ou ben ahiv ou ben gero. La Torah dit qu'il faut juger avec justice
pour des conflits qu'il y a entre un homme et son frère, ou avec un guerre. Ushfattem, quand tu dis juger, ça veut dire que la notion de jugement s'applique à la Gerout, Ben Gero, son guerre. Ça veut dire que la Gerout requiert les critères de Mishpat. Mikan Amar Rabbi Yehuda, Ger Shenit Gayer, Bebedin, Areze Ger, Beno le Ben Atzmo, Eno Ger. Rabbi Yehuda nous dit, si le Goy s'est converti au sein d'un Beddin, alors ok, sa Gerout est valable. Mais si lui-même, il s'est occupé de faire personnellement la circoncision, le trempage au mikvé, tout cela, ça vaut zéro. C'est nul et non avenu. Il faut que ce soit fait au sein du Bet Din. D'où on l'apprend ? Mishpat. Comme il est écrit, Ushfattem, Tzedek, Ben Ish, ou Ben Achiv, ou Ben Gero. Il est intéressant de faire remarquer que plus haut, Rashi n'a pas cité ce pasouk. Rashi avait cité le pasouk Mishpat Echad Yelachem Velager. De là, on apprend que Mishpat c'est Shlosha, ainsi la Gerout c'est Shlosha. Mais la Gemara ici cite un autre verset. Et donc Rabbi Yehuda nous dit qu'il faut obligatoirement que la Gerout se fasse au sein du Bet Din. Et elle raconte une histoire. Maase Be'had Sheba Lifnei Rabbi Yehuda Be'amarlo. Il était une fois un guerre qui est venu devant Rabbi Yehuda et lui a dit « Nidgayarti beni leben atzmi » « Je me suis converti au judaïsme tout seul, pas devant le Beddin. » Amar le Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda lui dit « Yesh lecha edim » « Est-ce que tu as des témoins comme quoi tu t'es converti au judaïsme quand tu étais seul ?» Comme quoi ils ont vu que tu n'étais pas devant un Beddin. Amar lo, lav, je n'ai pas de témoins comme quoi j'ai fait la conversion tout seul. Il lui pose une deuxième question. Yesh lecha banim, est-ce que tu as des enfants ? Amarle hen, il lui a dit oui, j'ai des enfants. Alors Rabbi Yehuda va lui dire quelque chose d'extraordinaire. Amarlo, ne'eman ata lifsolet atzmecha, ve'i ata ne'eman lifsolet banecha. Tu as la crédibilité pour te disqualifier toi-même, mais tu n'as pas de crédibilité pour disqualifier tes enfants. Ça veut dire que tu prétends que tu es un goy, c'est-à-dire selon tes dires, en disant que la conversion, tu l'as faite toute seule, donc tu remets en cause ta conversion. En d'autres termes, selon la halakha, qui est que la conversion doit se faire obligatoirement devant trois dayanim, puisque toi, tu prétends que tu l'as faite tout seul, ça veut dire que tu es encore goy. Si tu es goy, alors première répercussion, c'est que toi, en tant que goy, tu ne peux pas épouser une juive, toi, en tant que goy, il y a plein de halakhot. Mais deuxième conséquence, c'est que tes enfants, maintenant, ils auront un problème. Quel problème ? Alors, on peut dire par exemple, si lui, en tant que goy, s'est marié avec une juive, les enfants sont juifs, mais imaginons qu'il avait des filles, ces filles ne peuvent pas se marier avec des kohanim. Donc, ça a des répercussions sur ses enfants, sur ses filles. Mais en réalité, dit Tosfot que Rabbi Yehuda, fidèle à sa propre opinion, dans Maseret Kiddushin Daf Ayin Zayin, il nous a dit là-bas que pas seulement un goy qui a été avec une juive, eh bien les filles ne peuvent pas se marier avec des kohanim, mais même un guerre, il est considéré comme halal. Et halal zahar, comme ça dit, ger zahar kebat halal zahar. Un ger zahar qui a été avec une bat ger zahar kebat halal zahar. Une fille d'un ger zahar, c'est comme la fille d'un halal. Et donc, elle est considérée halala. Si elle est considérée halala de toutes les façons, donc qu'est-ce que ça change ? Qu'il soit crédible en tant que goy ou pas. Est-ce que ça va changer quelque chose par rapport aux enfants ? Selon Rabbi Yehuda, rien. Alors pourquoi il lui a dit « On n'accepte pas ta déclaration de goy en disant que tu as ta déclaration, celle de dire que ta conversion n'est pas bonne ?»
et tu as un statut de goy, on ne peut pas te croire par rapport à tes enfants. On peut te croire par rapport à toi-même, mais pas par rapport à tes enfants. Alors je vais d'abord expliquer ce que ça veut dire. On peut te croire par rapport à toi-même. Quand il dit « je suis goy », même s'il était juif, qui se considère goy, ça s'appelle « shavieh anafsheh hatikha d'Issoura ». Ça veut dire qu'il s'interdit tout ce que le goy ne peut pas faire. Alors même si nous, on pense qu'il est juif, mais lui n'aura pas le droit de faire ce qu'un juif peut faire. Par exemple, il ne pourra pas se marier avec une juive. Ou bien par exemple, on ne le croit pas pour d'autres répercussions. Par exemple, s'il a été avec une Bat Cohen. S'il est avec une Bat Cohen, est-ce qu'il a rendu halala? Est-ce qu'il a rendu zona? Est-ce qu'elle ne pourra plus manger la terouma parce qu'elle était avec un goy? Réponse non. On ne le croit que par rapport à lui, mais pas pour l'environnement. Même pas ses enfants. On ne le croit pas pour disqualifier ses enfants. Selon lui, ses enfants, qu'est-ce qu'ils sont? Eh bien, ils sont mamzerim d'après Rabbi Yehuda. Car Rabbi Yehuda pense qu'un goy qui a été avec une juive, les enfants sont mamzerim. Ce n'est pas la halakha. On a déjà vu cette grande mahloket. Selon certains hachamim, une juive qui a eu un enfant d'un goy, il est mamzer. Selon d'autres hachamim, il est kasher. Étant donné que d'après Rabbi Yehuda, ses enfants sont mamzerim, alors c'est ça ce qu'il a dit à ce goy-là. Plutôt à ce converti, qui prétendait qu'il s'est converti tout seul et donc il est goy. Il lui a dit non, je ne te crois pas que tu es goy, parce que tu portes atteinte à tes enfants. Tes enfants sont considérés comme juifs. S'ils sont considérés comme juifs, maintenant pourquoi tu voudrais qu'on les considère mamzer? Parce qu'il faudrait qu'on te croie quand tu dis que tu es goy. Je ne te crois pas que tu es goy pour tes enfants, mais je te crois que tu es goy que pour toi. Ça, c'est une notion de Adam Karov et Tzelatzmo. Un homme ne peut pas s'auto-condamner. Un homme ne peut pas être témoin pour lui-même. Donc, comme dit Tosfot, Neemanatal Ifsol, Atzmecha Hainu Davka Bemile de Machve, Nafshe Hatikha de Isura. Aval Imba Albat Kohen, Lopesala. Tosfot nous disent que ce n'est pas un vrai témoignage. C'est juste par rapport à lui, Shavia Nafshe Hatikha de Isura. Mais ni par rapport au Bat Cohen, ni par rapport à ses enfants, les considérer mamzer. On ne le croit pas sur parole. On ne peut pas prendre en considération cette déclaration par rapport à toutes les retombées que ça peut déclencher. Voilà, donc je répète. Maase be'had sheba lifnei Rabbi Yehuda ve'amarlo, nid gayarti beni leben atzmi. Cette personne a dit à Rabbi Yehuda, j'ai fait une guéroute, mais tout seul, pas devant un bedin. Amar le Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda lui a posé deux questions. Yesh lecha edim, est-ce que tu as des edim comme quoi tu as fait une guéroute tout seul? Amar le lav, lui a dit non, je n'ai pas d'edim. Yesh lecha banim, est-ce que tu as des enfants? Amar le hen, oui j'en ai. Amar le, alors il lui a dit, ne'eman ata lifsol et atzmecha, ve'i ata ne'eman lifsol et banecha. On peut te croire sur parole par rapport à toi, pour te disqualifier toi-même, mais on ne peut pas te croire sur parole pour disqualifier tes enfants. Tes enfants ne seront pas considérés mamzerim. Et là, la Gemara ouvre une parenthèse et elle dit, mais Rabbi Yehuda, a priori, il se contredit, car lui-même, de par ailleurs, il aurait dit qu'il faut toujours faire confiance au père quand il témoigne sur son fils. Omi amar Rabbi Yehuda abanim lo meheman. Est-ce que Rabbi Yehuda aurait dit une chose pareille, que le père ne peut pas être crédible quand il témoigne contre son fils? Ve'atania yakirenu la herim mikan amar Rabbi Yehuda ne'eman adam lomar zebeni bechor urshem shene'eman lomar zebeni bechor kach ne'eman lomar beni ze ben gerushahu ben halutzahu. Hachamim omrim eno ne'eman. Il y a une mahloket entre Hachamim et Rabbi Yehuda à propos de quelqu'un qui témoigne contre ses enfants. Par exemple, s'il était Cohen, et cet homme-là, on l'a vu avec ses enfants, il vient au Bédine et dit, Rabotai, vous savez, les enfants que j'ai ici, ce sont des enfants que j'ai eus avec une femme divorcée.
Est-ce qu'on peut le croire quand il fait cette déclaration pour déterminer le statut de ses enfants? Ça veut dire que là, il les a disqualifiés, il les a discrédités. Rabbi Uda dit non. D'où il sait? Pardon, Rabbi Uda dit oui. D'où il le sait? Eh bien, par comparaison avec la halakha de Bechor. La Torah nous dit, dans Parashat Kitetse, « Ki tihyena le'ish shetenashim ha'ahat ahuva ve'ahat senu'a ve'yaldulo banim ha'ahuva ve'asenu'a lo yuchal levaker et ben ha'ahuva al pene ben asenu'a bechor ki et ha'bechor ben asenu'a yakir latet lo pishnaim bechol asher imatzelo ki hu reshitono lo mishpat ha'bechor. Le din de la double part d'héritage, c'est une halakha que la Torah nous enseigne ici en disant que quelqu'un qui a deux enfants, un Bechor et l'autre qui est le cadet, même si c'était de deux femmes différentes, bien qu'ils soient Bechor chacun par rapport à la mère, mais la Yerusha elle va par rapport au père. Et donc le père il avait un Bechor d'une femme et un cadet d'une autre femme. Il doit obligatoirement donner une double part d'héritage au Bechor. Mais qui est-ce qui dit qu'il est Bechor? Nous, on voit des personnes débarquer et on ne sait pas qui est Bechor, qui ne l'est pas. La Torah accorde crédibilité au père. Si le père dit « ce fils-là, c'est mon fils aîné », on le croit sur parole. Puisqu'il est écrit « Yakir » qui est à Bechor ben Asenu'a, Yakir la tête l'opishenaim. Yakir, que veut dire Yakir? Quoi, lui va reconnaître son fils, mais évidemment qu'il le reconnaît. Yakirenu la Herim, il va le faire reconnaître par le Beddin, en disant, lui c'est mon Bechor. Mais Kanama Rabbi Uda, Rabbi Uda déduit, de la même façon que la Torah accorde crédibilité au papa pour témoigner en faveur de son fils, eh bien il a la même crédibilité pour témoigner en défaveur de son fils. Et dire qu'il est Ben Groucha Ben Halutza, qu'il a eu cet enfant avec une divorcée, donc il n'est pas Kohen. Hachamim Omri Menoneheman. Hachamim disent que non. Un père ne peut pas discréditer son fils. Alors, il y a une contradiction. Avant cela, on avait vu que Rabbi Uda avait dit à ce monsieur, tu ne peux pas discréditer tes enfants. Et après ça, on parle de Ben Groucha et Rabbi Uda a dit que oui, ses enfants de ce monsieur Cohen sont disqualifiés quand le père les a disqualifiés. Alors, est-ce qu'un père a le pouvoir, oui ou non, de discréditer ses enfants? Contradiction. Réponse, il y en a deux. Rav Nachman Bar Yitzhak et Ravina. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, hachika amarle, lidvarecha, ovet kochavim ata, ven edut le ovet kochavim. Rav Nachman Bar Yitzhak dit qu'il y a une différence entre les deux cas. Premier cas, c'était celui qui s'est converti au judaïsme et qui prétend qu'il a mal fait. Il n'a pas fait au sein d'un Beit Din. Alors, qu'est-ce que lui dit Rabbi Uda? Selon tes dires, tu es un goy. Si tu es un goy, je ne peux pas t'accorder crédibilité pour disqualifier tes enfants. Car le din de la crédibilité qu'a accordé la Torah au père par rapport à ses enfants, c'est uniquement par rapport à un père juif. Mais d'après ce que tu es en train de dire, tu es en train de dire que tu es goy. Alors si tu es goy, selon tes dires, je ne peux pas te croire pour disqualifier tes enfants. Car la Torah n'a pas donné de crédibilité à un père goy pour ses par rapport à ses enfants. Ravina Amar, Achika Amarle. Ravina répond autrement. Il lui a dit, Rabbi Uda, Yeshlecha Banim, est-ce que tu as des enfants? Hen, oui, j'en ai. Yeshlecha Bene Banim, est-ce que tu as des petits-enfants? Hen, oui, j'en ai. Amarle, Ne'emanata Lifsol et Banecha, Ve'iata Ne'eman Lifsol Bene Banecha. Une autre façon de répondre. En effet, pour disqualifier ses enfants, il aurait pu, comme la Torah a dit, Yakir. Et Rabbi Uda pense que, de la même façon que la Torah accorde crédibilité au père pour favoriser ses enfants, le Bechor, lui donner double part d'héritage, ainsi, elle lui a donné le pouvoir de disqualifier ses enfants, dire Ben Groucha Ben Halutza. Donc là aussi, il peut dire, ce sont des mamzerim, puisque lui, en tant que goy, il a eu une relation avec une juive, et d'après Rabbi Uda, les enfants sont mamzer. Alors pourquoi est-ce qu'ici, il ne lui a pas donné ce pouvoir? C'est parce qu'il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu as aussi des petits-enfants? Est-ce que tes enfants ont eu des enfants? Il lui a dit oui. Il a dit, dans ce cas-là, je ne te crois pas, même pas pour tes enfants. Car quand est-ce que la Torah accorde crédibilité au père?
c'est que lorsque ses paroles n'ont d'impact que par rapport à son fils, Bechor. Mais si tu as des petits-enfants, alors maintenant, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que tes enfants sont mamzerim, puisque toi tu es goy, ta femme est juive, tes enfants sont mamzerim. Alors tes petits-enfants qui sont nés sont aussi mamzerim, puisqu'ils sont fils de mamzer. Ça c'est impossible. Car le pouvoir qu'a donné la Torah au père, c'est par rapport à ses enfants, mais pas par rapport à ses petits-enfants. Et la Gemara va apporter de l'eau au moulin de Ravina. On trouve une braïta qui dit clairement comme ça, mais dans des termes différents. Rabbi Yehuda Omer Neeman Adam Lomar Albeno Katan Ve'eno Neeman Albeno Gadol. Un homme est crédible pour son fils petit, mais pas pour son fils grand. Qu'est-ce que ça veut dire petit et grand? Quoi? Un Bechor, il peut déterminer que son fils est Bechor seulement s'il était petit, mais pas s'il était grand? Ma pitom. Alors ici, la Gemara va dire que petit et grand, ce n'est pas dans le sens de mineur ou majeur, ça a une toute autre connotation. Grand, ça veut dire qu'il a eu des enfants. Ça veut dire que le grand-père a déjà des petits-enfants. Petit, ça veut dire que son fils n'a pas eu encore de petits-enfants. Amar Rabbi Hiya Baraba, Amar Rabbi Hanan, lo katan katan mamash, velo gadol gadol mamash. On ne parle pas de katan mineur ou gadol majeur. Et la katan, viesh lobanim, zeu gadol. Même s'il est petit, mais il est jeune, mais il a lui-même des enfants, ça s'appelle gadol. Gadol ben lobanim, katan. Mais même un adulte, mais qui n'a pas eu d'enfant, il s'appelle katan dans le lachon de la braïta. Donc voilà, ça corrobore l'opinion de Ravina. Vilcheta kavate de Rav Nachman bar Yitzhak. Et la Gemara dit que la halakha est comme Rav Nachman bar Yitzhak, car selon Ravina, en effet, il aurait pu disqualifier ses enfants. Mais pourquoi maintenant il ne peut pas les disqualifier? D'ailleurs, en parenthèse, Tosfot disent que quand il y a des petits-enfants, même les enfants ne sont pas disqualifiés. Tosfot. Parce que sinon ce serait contradictoire, paradoxal. S'il y a des enfants et des petits-enfants, tu vas disqualifier les enfants et pas les petits-enfants. C'est contradictoire. Alors, qu'est-ce que nous dit Ravina? Il ne peut pas disqualifier les petits-enfants et les enfants, mais s'il n'avait pas de petits-enfants, il aurait pu disqualifier ses enfants. Mais d'après Rav Nachman bar Yitzhak, même ses enfants, il ne peut pas les disqualifier, même s'il n'avait pas de petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, d'après ce que tu dis, tu es goy, eh bien on ne fait pas confiance à un goy. Donc ça ne change pas qu'il ait des petits-enfants ou pas. Et la lachal est comme qui? Comme Rav Nachman bar Yitzhak. Mais la Gemara pose la question, elle dit, « Ve'atania kavate de Ravina ?» Je ne comprends pas. Tu me dis, tu m'as apporté une braïta pour corroborer Ravina, et après tu me dis, la lachal n'est pas comme lui, la lachal est comme Rav Nachman bar Yitzhak. La réponse, « Ha'ou le'inyan yakir itmar » La notion de la braïta qui nous a été rapportée, c'était par rapport à Yakir, et Ben Groucha et Ben Halutza, d'après Rav Yehuda, mais c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'un juif, mais pas lorsqu'il s'agit de quelqu'un que selon ses dires, il est goy. Tanou Rabanan, guerre chez Balit Gayer Basmanazé, maintenant la Gemara va nous enseigner les halachot de Gerout, c'est-à-dire comment doit-on procéder lorsqu'un goy veut se convertir au judaïsme et se présente devant le Beddin. Qu'est-ce que le Beddin doit lui dire? Tanou Rabanan, Ger Shebalit Gayer Bazemanazé, un goy qui vient se convertir au judaïsme dans cette période où Am Israël souffre de la galoute, Ambrimlo, on doit lui dire, Maraïta Shebatalit Gayer, pourquoi tu as décidé de te convertir? Iata yodeach Israël bazmanazé devuim dehufim sehufim umtorafim veisurim baim alehem. Tu ne sais pas que Israël sont victimes d'antisémitisme récurrent. Ils souffrent, ils sont bousculés, ils sont rabaissés, ils sont exilés, nomades, migrants d'un pays à l'autre et ils subissent des épreuves. Pourquoi tu décides d'intégrer ce peuple?
Im omer laem yodéani venikeda ici, leur dit, je suis au courant. J'en suis parfaitement conscient. Et tout de même, c'est un mérite pour moi que d'intégrer ce peuple, c'est qu'il est vraiment sincère. Il veut vraiment adhérer à la Torah et les mitzvot. Mais kabelim otomiyad, on l'accepte immédiatement. Et on l'informe d'une partie des mitzvot, certaines des mitzvot faciles, légères, d'autres des mitzvot difficiles, ou des mitzvot qui ne sont pas passibles de graves sanctions, des mitzvot qui sont passibles de graves sanctions. Et on l'informe également de la gravité de la faute de celui qui ne donne pas aux pauvres les dons qu'ils méritent, tels que les Ketchikha et Pa et Maaser Ani. Et on verra dans la Gemara plus tard pourquoi spécialement cette mitzvah-là, du don aux pauvres. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette mitzvah ? Umodirim oto anshan shel mitzvot. Et on l'informe également de la punition que risque celui qui transgresse. Omrimlo, et on lui dit, Heve yodea, sache que, Shehad shelo batale midazu, achalta chelev yata anush karet, hilalta shabbat yata anush skila, ve'afshav, achalta chelev anush karet, hilalta shabbat anush skila. Tant que tu n'étais pas juif, tout était permis pour toi. Tu mangeais de la graisse interdite, tu pouvais faire chelul shabbat, mais aujourd'hui, si tu manges de la graisse interdite, chelev, tu es passif du retranchement, karet. Si tu es mechalel Shabbat, tu peux être condamné à la peine capitale de ce qu'il a, de lapidation. Urshem shemodirim oto onchan shel mitzvot, kach modirim oto matan tzraran. Et de même qu'on l'informe de la gravité de la sanction, ainsi on l'informe de la grandeur de la récompense pour l'accomplissement des mitzvot. Omrimlo, on lui dit, Heveyodea sher olam haba eno asui ela la tzadikim. Akadosh Baruch Hu a préparé un monde spécial que de récompenses pour ceux qui s'efforcent et s'investissent dans l'accomplissement des mitzvot. Pour les tzadikim, kol Israël yeshlaim chelek le'olam haba, shenemar ve'amer kulam tzadikim, le'olam yireshu aretz. Ve'Israël bazman hazeh nam yecholim lekabel lorov tova ve'lorov puranut. Mais dans ce monde, Israël n'est pas comblé de bonheur. Pourquoi? Rashi dit, les fils de Yetzerara, mais Hazer Aharehem, que d'Amrinan Maseret Souka, et Shema Tazouah Da'atan Alayhu Vihetou. Étant donné que le Yetzerara, il s'investit beaucoup pour piéger les Juifs, plus que les Goïms. Et donc, si les Juifs étaient dans une position de facilité extrême, c'est-à-dire qu'ils étaient comblés de richesses et de bonheur matériel, alors très vite, ça monterait à la tête. Et la personne serait vulnérable, spirituellement parlant. Dès qu'il y a une richesse matérielle, alors, chas v'shalom, on pourrait se laisser aller sur le plan spirituel. C'est pour cela que Gbochou nous envoie des épreuves, pour qu'on ait toujours le regard rivé vers Hachem et le cœur orienté vers lui. V'en marbin ala, v'en medagdikin ala. C'est-à-dire, on n'est pas trop strict non plus avec lui, comme ça dit Rashi, d'essayer de multiplier les menaces de danger qu'il encourrait s'il devenait juif. Il ne faut pas trop exagérer là-dedans et ne pas non plus lui parler de détails, des mitzvot. En medagdekin alav. Kibel, si après tout ce qu'on lui a dit, il a accepté, malin otomiyad. On lui fait la mila, la circoncision immédiatement. S'il reste des peaux qui recouvrent la majorité de la couronne, ça veut dire que le prépuce, on ne l'a pas retiré entièrement, alors s'il reste des peaux qui recouvrent la majorité de la couronne, de la Hatara, eh bien la Mila n'est pas valable, il va falloir corriger et faire une bonne Brit Mila. Nitrapé, une fois qu'il a guéri, ça a cicatrisé, Matbilim oto miyad, on va immédiatement le tremper au mikvé. Et pendant cette immersion, il y a deux talmidei chachamim qui se trouvent à côté du mikvé et ils récitent des mitzvot, on m'a dit, miksat mitzvot kalot, ou miksat mitzvot hamurot,
quelques mitzvot légères, quelques mitzvot graves. Tabal ve'ala, une fois qu'il est sorti du mikveh, areu ki Israël chol devarav, désormais il est considéré comme juif à part entière. Isha, si c'était une femme qui se convertissait au judaïsme, puisque les Talmidei Chachamim ne peuvent pas être présents à côté, alors on envoie des femmes. Nashim oshivot ota bamaim ad savara. Il y a des femmes qui vont la tremper jusqu'au cou dans l'eau. Et à ce moment-là, les deux Talmidei Chachamim qui sont à l'extérieur vont réciter les mitzvot en dehors du mikvé. Ushne Talmidei Chachamim omdim lah mi bahutz umodirim ota miktzat mitzvot kalot ou mitzvot hamurot, juste avant qu'elle plonge sa tête dans l'eau. Et hadger vechad eved meshuchla. Toute cette procédure-là, de la tevila à l'immersion avec l'accompagnement des Talmidei Chachamim, eh bien, c'est soit une conversion au judaïsme d'un goy qui était entièrement goy, ou que ce soit Eved Meshuchrav, car on le sait qu'un Eved Kenani, au début, la première fois, quand son maître va l'acheter du goy, il doit déjà faire la mila et passer au mikvé pour ce qu'on appelle Tevilat Avdut, pour devenir Eved Kenani. Il aura les mitzvot comme celle d'une femme, mais il n'a pas encore le statut de juif. Une fois qu'il sera libéré, il va devoir repasser au mikvé une deuxième fois. Quand il va passer au mikvé une deuxième fois, à ce moment-là, les Talmidei Chachamim doivent lui lire toutes les mitzvot, et tout le récit qu'on vient de voir. Il y a ceux qui disent que la deuxième Tevila n'est que Midérabanan. C'est-à-dire comme quoi la Tevila du Ger Meshuchrav, il n'a pas besoin, mais la Torah de Gerout, il y a une Mahloket à ce propos. Parce qu'il a besoin de Tevila à nouveau. Obemakom Shenida Tobelet Sham Ger Verved Meshuchrav Tomlin. Les critères nécessaires pour un mikvé de Nida, c'est les critères nécessaires pour un mikvé pour être Matbil, le Ger. Ça veut dire que si le bassin ne contenait pas la même quantité d'eau, bien si c'était Maim Shuvim ou autre, toutes sortes de problèmes qui peuvent disqualifier le mikvé pour une Ida, eh bien, c'est pareil pour l'immersion, pour la conversion. Chol davar shechotzetz batevila, chotzetz bager ba'eved ameshuchrav ou banida. C'est-à-dire, tout ce qu'on a appris au niveau de Hatzitsa, que ce soit pour une Ida, un Ger ou un Eved Meshuchrav, tous ceux qui doivent se tremper dans le mikvé, il faut faire très attention qu'il n'y ait pas de Hatzitsa, qu'il n'y ait pas d'écran qui empêche l'eau d'accéder au corps. Il faut que le corps soit entièrement immergé sans le moindre écran. Voilà donc la conclusion de cette Baraïta. Maintenant, la Gemara va analyser passage par passage. Amar Mor, Ger Sheba Lehid Gayer, Omrim Lo, Ma Ra'ita Shebata Lehid Gayer, Omodiri Moto Mikzat, Mizot Kalot, Mikzat, Mizot Hamrot, Maitama. Alors, on avait dit que ce goy-là, quand il vient se convertir, d'abord, on lui raconte les épreuves que subissent Israël pendant la galoute, et on l'informe de certaines mitzvot, et tout cela, c'est pour quoi faire? C'est pour, quelque part, créer chez lui une réticence. Maïtama, des hiparish nifrosh. Comme ça, si vraiment il n'est pas sincère, eh bien, qu'il s'en aille. On n'est pas prosélyte. Il n'y a pas de prosélytisme chez nous. Pourquoi? D'Ama Rabbi Halavo, Kashim Gerim Israël Kesapahat. Rabbi Halavo nous a enseigné que les Gerim, au sein d'Israël, ils sont considérés comme Sapahat. Sapahat, c'est une sorte de lèpre. Et on a employé le même verbe pour dire qu'ils ont été annexés. Les Gerim, Venilva Hager Alehem, Venispehu Albet Yaakov. Pourquoi est-ce qu'on considère que les Gerim sont considérés comme Sapahat pour Am Israël? Alors on a explication de Rashi et de Tosfot. On va lire ce que dit Rashi. Rashi va dire Kashim Gerim l'Israël Kesapahat Sheohazim Asehem Arishonim Velomdim Israël Mehem Osomprim Alehem Beisur Veheter. C'est-à-dire, étant donné que chasse la nature, elle revient au galop, ces Gerim, au départ ils font des efforts, mais après
ils reviennent et ils retournent à leur comportement d'origine. Et le problème, c'est que maintenant qu'ils se sont intégrés au sein du peuple juif, eh bien leur environnement va apprendre d'eux le mauvais comportement. Ils vont avoir une influence négative sur l'âme Israël. Et parfois même, on compte sur eux, par rapport à des halakhot, alors qu'ils se trompent. Ça, c'est ce que dit Rashi. Tosfot nous dit, comme ça, le dernier Tosfot de la page. Les filles chez Enbekiim et Digduke Mitzvot, mais Israël et Medim Maaseem. Eux, ils ne maîtrisent pas parfaitement la halakha, et donc ils font les mitzvot à peu près, et leur entourage de Bnei Israël vont apprendre d'eux. Rashi dans Maseret Nida a donné une autre raison, c'est qu'étant donné que Am Israël ont une arvut, Kol Israël Arevim Zebazé, on est tous garants les uns pour les autres. Cette responsabilité mutuelle fait que quand certains fautent, eh bien même les autres payent. Eh bien si maintenant on rajoute aussi les guérim et que les guérim ne respectent pas convenablement les mitzvot, eh bien on va devoir payer pour eux également. Ve'od yesh lomar dekashim gerim leIsrael lefi shemitarvim bahem ben hashchina shora ila al mishpachot amyuhasot sheb'Israël. Autre raison, c'est parce que la Shechina, elle réside au sein d'Israël mamash, de souche, comme il est écrit à propos d'Avraham Avinu, que Shmuel lui a dit Ve'aitil echad Elokim ulzar'acha acharecha. Donc il faut que ce soit Zera Avraham pour qu'il y ait la Shechina. Donc il y a aussi ce problème. Yesh mefarshim lefi shebeyoter uzharu Israël al gerim ven yicholim lizaher. Mais on a Atan. La dernière raison que donne Tosfot, pourquoi est-ce que les guérim sont considérés comme sapahat, c'est parce que la Torah nous a ordonné à maintes reprises d'aimer le guerre et de faire très attention de ne pas le vexer. Car il est extrêmement susceptible et sensible, vulnérable, du fait qu'il peut se vexer facilement et que nous avons l'obligation de le respecter, alors on peut glisser facilement dans la faute. Et si on a des guérim autour de nous, avec des mots qui peuvent laisser entendre des allusions qui sont malveillantes, eh bien ça lui ferait de la peine. Et là, Akadosh Baruch Hu qui prend la défense des êtres faibles, comme la veuve, l'orphelin, le guerre, eh bien on pourrait payer à cause de ça, payer cher. C'est pour cela que Kashim guérim les Israël. Les fiches biyoter uzharu Israël à la guérim ve'enam yacholim les Israël me'ona atan. On a A, ça veut dire faire de la peine. On peut facilement leur faire de la peine. On a vu également dans la Braïta, où modi'in oto avon leket shirha ou pea ou ma'aser ani. Il faut l'informer du don aux pauvres, tel que ce qu'on doit laisser de l'agriculture, leket shirha pea ma'aser ani. Maïtama, pour quelle raison on a choisi spécialement cette mitzvah? Amar, abihia, baraba, marab, yohanan, ben noach, neragal, pachot, mishave, pruta. On sait que chez les Bnei Israël, c'est différent des Goïm. On n'a pas le droit de voler, aussi bien pour les Goïm, ça fait partie des sept mitzvot noachit, comme pour Israël. Mais il y a une différence tout de même. C'est que pour un Goï, on est encore plus strict. Un Goï qui a volé même moins qu'une pruta, il est Hayav Mita. Parce que pour les Sheva mitzvot Bnei Noach, ils sont condamnables à mort. Pour les Averot, donc pour le Gezel. Et même quel Gezel? Gezel même pour Pachot Mishve Pruta. Alors que chez le Juif, c'est Dafka Pruta. En plus, chez le Juif, il y a possibilité de restituer si on a volé. Alors que chez eux, il n'y a pas cette mitzvah de Veshiv et Tagzela Shel Gezel. Il n'y a pas cette réparation possible. Ce qui veut dire que, du fait que le Goy est Hayav Mita, même pour Gezel, le vol, même pour Parod Mishve Pruta. Pour quelle raison c'est comme ça? Parce que les Goïms sont makpidim pour leur argent, ils sont prêts de leur sous, même pour Parod Mishve Pruta. Et comme dit Rashi, Modirim Oto, Leket Shircha Upea, Shelo Yomru, qui ne disent pas, eux qui étaient habitués à garder leur argent, ils disent maintenant, comment ça? Les Anim, ils rentrent dans mon champ? Mais je vais le tuer celui-là. Chez l'Oyombro, Anim, Alalu, Haloktim, Peat, Sade, Gazlanimem. Les pauvres qui viennent rentrer dans le champ et qui prennent le Leket, Chez Ha, Peat, Maserani, sont des voleurs.
Et il va aller ensuite le poursuivre en justice dans un bedin de Goïm où là-bas on tue. Shepne Noach Ozaru à la Gezel. Vehazharatam Zoimitatam. Delobaru Atraa. Lefikach Ben Noach Ner Agal Pachot Mishve Pruta. De Rover Kochavim Makpid Al Davar Mouat. Ou le Gabi Israël Avia Mechila. Chez les Bnei Israël, moins qu'une Pruta, on est Mohel. Alors que chez eux, ils ne sont pas Mohalim. Donc, c'est pour cela que c'est dangereux. Il faut absolument les informer. Et Velonitan le Shavon Rachidi, Eno Bahazara et la Neherag, il n'y a pas de possibilité de remboursement chez eux. Des Gabis Khalktiv Yeshiv et Agzela Asher Gazal. Aval Bne Noah, Azharatan Zoim Mitatan, et Kevan Shahabar Lahat Mishva Mitzvot Neherag. Un autre pirouche de Rachi. Pourquoi est-ce qu'il faut les informer de l'Eket Shikha Pea, des dons aux pauvres? Puisque nous voyons qu'ils sont à côté de leur sou et qu'un goy des makpid, même moins qu'une pruta, la preuve c'est qu'il est neherag à parot, mais je vais pruta. Ça veut dire que quand tu vas lui dire, tu sais, chez nous il faut donner, tzedaka, 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 eh bien ça va lui faire peur. Lui qui n'a pas envie de donner en tant que goy, si vraiment il ne veut pas adhérer au judaïsme, eh bien il fera marche arrière. Ve'en marbin ala ven medagdekin ala. Il ne faut pas ensuite être trop lourd, le charger de menaces comme quoi on court trop de dangers en tant que juif, ou bien lui le charger de toutes sortes de détails tout de suite. En marbin ala ven medagdekin ala, on n'est pas aussi strict avec lui. Amar Abil Hazar, Maïkra, d'où on l'apprend? Dirtiv, on l'apprend de la conversion de Ruth à Moabia avec Naomi. Dirtiv, a tere ki mitametset hi la lechetita, va terdal et daber eleha. Quand elle a vu, lorsque Naomi a constaté que Ruth était sincère dans sa démarche, elle a arrêté de la dissuader. Amrala, elle lui a dit, Asirlan Tchum Shabbat. On n'a pas le droit de sortir du Tchoum Shabbat. Ça veut dire que chez nous les Juifs, même marcher, on ne peut pas marcher librement. Le Shabbat, on a une limite. 2000 coudées autour de la ville, dans la périphérie, on ne peut pas marcher plus que ça. Tu t'imagines? Dans quelle religion tu as vu ça que on te limite même au niveau de la marche? Et lui a dit ça justement pour la dissuader. Mais ça n'a pas empêché Ruth d'adhérer au judaïsme. Elle a dit, « Bacher telchi eler. » Là où tu iras, j'irai. En d'autres termes, je ne marcherai que là où c'est permis. Alors elle lui dit, « Asir la nihoud. » Nous, on n'a pas le droit de s'isoler avec un homme qui n'est pas notre mari. Elle lui a répondu, « Bacher talini alin. » Eh bien, je ne passerai la nuit que là où c'est permis. Là où toi, tu as le droit, moi aussi, je passerai la nuit là-bas, je ne m'isolerai pas avec un homme qui m'est interdit. Il lui a dit, tu sais combien de mitzvot on a? 613. En tant que Goya, tu n'en as que 7. Pourquoi tu vas venir chez nous? On a 613 mitzvot. Elle lui répond, Amer Ami, ton peuple sera le mien. Asirlan Avodat Kochavim, l'idolâtrie est interdite pour nous. Elle lui répond, Veloahir Elohai, ton Dieu sera le mien. Arba Mitot Nimseru Lebeddin, tu sais que tu encours un grand danger. Chez nous, il existe la peine de mort. Il y a 4 peines capitales. C'est qu'il a ses réfrains, Erek Behenek. Il lui a dit, c'est pas ça qui me fait peur. Je suis prête à courir le risque. Bacher Tamouti Amout. Il a dit, mais Shnekvarim Nibseru Lebeddin. Tu sais, chez nous, même au cimetière, il y a des degrés. Il y a les gens normaux, il y a les tzadikim. Ensuite, parmi les Rechaim, tu as les petits Rechaim, grands Rechaim. Figure-toi qu'il y a le cimetière du Beddin. Ceux qui ont été condamnés à une mort grave, tels que Skila, Srefa, eh bien il y a le Beddin, Denis Kalim et Denis Rafim. Ceux qui ont été condamnés à la peine capitale de Herek Behenek, qui est moins grave que Skila et Srefa, eh bien on a un cimetière spécial pour les Neheragin et Nehnakin. Tu veux rentrer dans un peuple pareil? Elle a répondu, Vesham et Kaver, je serai enterré là-bas. En d'autres termes, c'est pas ça qui va me faire peur. C'est pas ça qui va me créer une réticence.
je veux devenir juive, je veux intégrer le Emet de la Torah. Alors, Miyad vatere kimit ametzet hi vatehdal et daver elia. Dès que Naomi a constaté la sincérité de la démarche de Ruth, eh bien cette fois-ci, elle a arrêté de la dissuader. Au contraire, elle a accompagné en Eretz Israël pour compléter sa conversion et mener une vraie vie juive. Elle est devenue l'ascendante de David à Melech, de Melech à Mashiach.